been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas filmé. Et je suis pas au top aujourd'hui. J'ai eu ma deuxième dose de vaccin hier soir. Bilan, bah, j'ai mal un petit peu partout. J'ai un petit peu envie de vomir. Enfin, c'est le top. Mais bon, j'avais prévu de vous filmer plein de vidéos aujourd'hui. Donc je vais essayer d'en filmer. Plein, je suis pas sûre. Mais je vais essayer de filmer quand même. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les colos terminés du mois de juillet et de août. Du coup. Mais tout d'abord je voulais aussi vous parler du fait du changement de nom de chaîne, de changement, j'ai changé un petit peu tout parce que je trouvais plus trop le pseudo en adéquation avec ce qui se passait sur la chaîne actuellement et avec moi-même en même temps. Là pour le mois de juillet j'ai pas été capable de lire un livre, mois d'août, le mois de juillet peut-être un. Je sais même plus lequel. Si j'ai dû finir The Revolution of Ivy. Mais je suis plus capable de lire un seul livre par mois. Enfin, je suis au bout du bout. Il y a que le colo qui me permet de souffler un peu. Je n'arrive pas à me poser et à lire. J'ai toujours la tête qui tourne en boucle. J'arrête pas de repenser à ma reprise, à repenser à la rentrée, à penser à la crèche. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Je n'arrive pas à arrêter de penser à tout ce qui va se passer dans peu de temps, finalement. Donc voilà. Donc j'ai décidé de changer le pseudo, tout ça. J'ai voulu mettre un pseudo qui n'avait rien en rapport avec ce qui s'y passait en fait. Enfin, à part avec moi. Mais qui n'est pas le mot colo, qui n'est pas le mot bouquin, ou qui n'est pas. Enfin. Je sais pas si vous comprenez, mais parce que bon, au début, l'univers de la chaîne, c'était les ongles. Après, et la lecture. Mais mon fils est arrivé, bilan, bah, j'avais plus le temps de faire mes ongles. Mais je continuais à lire un petit peu. Enfin, ça a toujours été. Mes passions changent en fonction de mes enfants, quoi. Et du temps que j'ai, et voilà, de ce qui se passe dans ma vie. Et là, pour l'instant, bah, j'ai plus le temps de faire mes ongles. Voilà, je les fais peut-être une fois par mois. Voilà. La lecture, va falloir que je... Pour l'instant, j'y arrive pas, donc je me force pas, tant pis, hein, j'y arrive pas. Ça reviendra quand ça reviendra. Et du coup, bah, le colo, par contre, le colo, il n'y a que ça qui me fait du bien, et j'arrive encore à colo régulièrement. Je sais plus trop à combien de colos je suis par mois, je dois en avoir 6, je pense, 6-7. Mais bon, là, j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer, du coup, étant donné qu'il y a 2 mois regroupés. Donc on va commencer tout de suite, parce que la vidéo va être encore trop longue. Lors de la dernière vidéo, donc les colos du mois de juin, je vous montrais mon en cours qui était dans celui-ci. Donc le prince Jean, voilà, il faut que je retrouve la bonne page, voilà, pour savoir avec quoi je l'ai fait. J'ai pris les combos de Oana, donc Oana Combo sur Insta si vous voulez, Oana Colo, je vous mettrai... le pseudo de son Instagram dans la barre d'infos. Donc je l'ai réalisé avec les Prismacolor, le fond avec les Brutfener Aqua. J'ai utilisé un petit peu de Jelly Roll, où ça je me demande, Jelly Roll Stardust sur les les éléments. Tu vois, ça peut, ça s'arrive. Mais sinon, voilà. J'ai utilisé à peu près les combos de Oana. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait, j'aime bien. Même si, voilà, c'est très, très flashy, très pétant. Mais bon, j'ai du mal à faire des colos fades. Ça pète toujours, il n'y a pas. Donc voilà pour ce colo que j'avais utilisé pour le challenge, pour la mission abonnée de Marine Art, par rapport à la couronne, il me semble. Donc voilà pour celui-ci. Je l'aime bien. Ensuite, dans le Mythomorphia, là ça va plus rentrer dans le champ, pour le colo en commun de Julie Nueva.
J'ai fait celui-ci. Je voulais pas du tout partir là-dessus, en fait. De base, je voulais faire une peau totalement naturelle qui parte sur le noir. Et mes serpents, je voulais les faire noirs et dorés. Mais un soir, avec la fatigue, j'ai été sur Pinterest chercher des combos, regarder un petit peu. Et voilà, ça a terminé comme ça. Donc je l'ai fait au Prismacolor. Je sais pas si je me le retrouverai pas celui-ci à imprimer ou quoi et le refaire, je sais pas. Mais bon, je l'aime quand même. Hein, Alors, où c'est que j'ai noté celui-ci? Donc oui, des prismas, du Posca noir pour le fond et du Jelly Roll, je pense que c'est pour les yeux, des serpents, non même pas. Où c'est que j'ai mis du Jelly Roll? Les dents, voilà les dents, la partie des dents. Focus. Donc, où c'est que je peux vous en montrer un? Non, ça va pas aller, là lui il n'a pas de dents. C'est compliqué, hein. Puis de toute manière, les Jelly Roll, vous les voyez rarement dans les vidéos. On arrive rarement à capter le... le bazar, hein, mais ouais. Donc voilà pour celle-ci. Je l'aime beaucoup quand même, voilà. Et j'ai dû utiliser pour le blanc, ça devait être du Posca blanc ou du Jelly Roll. Mais le Jelly Roll que j'ai, c'est un 0,5 et je trouve la mine trop petite et ça fonctionne pas. Je trouve pas que ce soit ouf. Donc voilà pour celui-ci. Donc Kirby, hein, j'adore Kirby. Je pensais ça compliqué au début et finalement une fois que j'y suis, j'adore. Il nous aide bien avec ses traits, enfin je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Je continue d'avancer mon Mythomorphia, c'est très bien. Ensuite, toujours pour Julie Nueva. Mais ça c'était pour le... Ah si, c'est toujours pour le même. Créature mythologique ou autre. J'ai fait ce petit dragon. Voilà. Donc lui par contre je l'ai fait, j'avais fait un truc au départ en fond avec mes Crayon Shredden, j'avais essayé de les utiliser à sec comme ça et oh mon dieu ça n'allait pas du tout, ça m'a... Du coup bah, je suis repassée avec un fond noir à l'acrylique, style gel action pour les... Voilà. Du Posca noir pour les yeux, sinon c'est du Prismacolor. Voilà. J'ai été très déçue par le papier. Voilà, on voit que la Crayon Shredden, ça. Voilà, j'ai essayé après de l'aquarelle ou machin, non, ça n'était pas passé. Donc je sais pas ce que je vais faire sur ce colo là du coup. Mais donc voilà pour celui-ci. Mon premier. Puis j'ai bavé là aussi. Enfin. Voilà. Ensuite, j'ai fait le premier du Grand Carry Love Stories. Donc Ariel et je sais même pas comment il s'appelle, monsieur là. Mais bon, j'ai fait ce couple-ci où j'ai utilisé Prisma. Ouais, Prisma, du pastel sec pour le fond, de la peinture acrylique pour l'écume. Et voilà, ouais, c'est tout. Celui-là aussi pour la mission abonné Marine Art pour l'eau. Voilà. J'aurais pu mieux faire, je trouve, pour l'eau. Mais bon. J'aime bien mon fond. J'aime bien mes personnages, donc voilà. Ensuite, dans le bloc portrait, une question, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-ci? si,
c'était pour un challenge sur un col en commun sur Facebook. Voilà, donc j'ai fait Flynn Riders. J'ai utilisé les Castellart. Castellart, Black Widow pour la peau. Ouais, c'est du Castellart sinon. Je me souviens, j'avais commencé ce colo quand ma soeur était à la maison. Et le fond, bah le fond, j'ai pas noté. Qu'est-ce que c'est que le fond? De l'encre? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis en fond ou si c'est du... Ça doit être de l'encre. J'ai mis au tampon, je pense. Ou sinon, c'est de la craie Wash Reden directement prise sur le... Ça doit être ça. De la craie Wash Reden prise directement avec mon petit tampon doigt dessus. Et puis, en avant guingant, je crois. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Pour celui-ci. J'aurais dû... Je sais pas si j'avais en même temps dans les Castellart. La faire un peu plus foncée, sa veste. Mais voilà. Pour mon premier dans mon bloc portrait. Il me semble que c'est le premier que j'ai fait dedans. Non, bah non. J'ai fait Vaiana. Ensuite, celui-là, je vais peut-être vous le montrer à la fin. C'est du mystère. Je vais le garder de côté. Ensuite, dans le cercle de la vie, j'ai fait mon premier colo. Et toujours pour la mission abonnée par rapport aux planètes. Donc j'ai fait celui-ci. Je ne savais pas du tout quel colo faire pour ce thème là, mais voilà, j'ai vu celui-ci, je me suis dit allez, je voulais commencer mon livre, je me suis dit allez vas-y. Donc pour celui-ci, j'ai essayé de suivre le tuto Effet Galaxy de Color with Claire. Je l'ai fait avec Brut Fenard à quoi. Je note, mais je note à moitié, moi. Sinon, c'est fait avec les Prisma. J'ai mis pas mal de Posca, de... J'ai mis du... Iridescent, du médium iridescent. Là, là. J'ai utilisé, oui, pas mal de... Je me suis battue avec mon Posca blanc. J'ai essayé le Jelly Roll. J'ai essayé plein de trucs. Du coup, j'ai aussi utilisé l'Artist Row, non, la version Action. Voilà. Mais... j'ai mis du doré. Enfin, voilà. Donc, mon premier dans le cercle de la vie. Que j'ai aux éditions Marabout. Le papier, vous voyez, il est pas mal. Ça gondole un peu, mais rien de grave. Ensuite, dans le Pupiz, j'ai fait une page papier peint que j'ai réalisée au Brut Fenard à quoi, avec de l'acrylique blanche et des craies aquarellables. Voilà. Et les oiseaux sont avec les Prisma. Donc c'est les oiseaux de Cendrillon. Voilà, une page papier parfaite. Il me fallait des oiseaux pour la mission abonnée. J'avais choisi cette page. Je me suis pris des colos un petit peu trop compliqués en fait. C'est pour ça que j'ai pas réussi à faire les 10 colos. J'ai réussi à en faire 7. Voilà. Ensuite, dans le petit carré Mickey and Friends... Hachette Rose, j'ai fait celui-ci toujours pour la mission abonnée avec un colo Halloween. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté avec je crois que je l'ai fait avec les Prismas.
mais j'ai pas tout noté comme d'habitude. Voilà, j'ai la moitié de le fond, c'est avec de l'encre, pinceau make-up, pinceau à fond de teint là, et de l'encre. Sinon, ouais, Prisma, j'ai mis du jelly roll Stardust dans les bonbons. Voilà, ici. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà. J'ai du mal à mettre dans le cadre. Hein. Mais voilà, ici. Sinon, voilà, c'est du Prisma. Voilà, pour celui-ci. C'est le premier que j'ai fait de temps. Voilà. J'entame mes livres de couleur. Ensuite, j'ai fait dernièrement, c'est un des derniers que j'ai fini ça, c'est un bloc qui m'a été offert pour mon anniversaire par ma petite Milly chérie. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc je voulais le commencer, donc j'ai commencé ce bloc et j'ai fait... Où est-il ? J'ai fait Big Ben, voilà, j'ai fait Big Ben. Big Ben, je l'ai fait avec les encres AliExpress. Voilà, j'ai voulu faire un aspect vieilli. Peut-être le sortir. S'il veut bien. Donc j'ai voulu faire un aspect vieilli. Donc avec les encres AliExpress, j'ai rajouté un petit peu de Posca doré. L'effet doré là sur le cadre, c'est avec la PBO. Je crois que c'est PBO. La or antique. Ensuite, la partie à côté, c'est du jelly. Enfin non, c'est du stylo gel action un petit peu cuivré. Mais j'étais embêtée parce que j'ai cru qu'il allait me lâcher en plein milieu du colo. C'était génial. C'est un métallique. Le fond avec aquamarqueur d'action. Sinon le personnage, il est fait avec les Brut Funner Square et j'ai eu beaucoup de mal à mélanger mes couleurs. On voit toutes les traces, enfin, je suis pas... Et le visage, ça m'a gavé, j'ai fait avec les Prisma et pareil, je suis pas mélangée de ouf. J'ai repassé un petit peu avec du Posca noir, d'ailleurs il faudrait que je repasse encore un petit peu au niveau des yeux. Mais voilà, c'est fait avec les Brut Funner Square. Il y a un petit peu d'artiste blanc, je crois, là. Mais non, je suis déçue de mon effet or et tout. Enfin, j'aime pas. Je sais pas. Je pense que ça rend mieux en vidéo, quand même. J'ai de la chance. Mais voilà pour celui-ci. Donc, dans bloc portrait 2. Hop. Ensuite... J'ai même pas compté le nombre de colos que je vous ai présenté du coup. Dans le petit carré Love Stories, j'ai fait celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Je vous ai même donné les combos. Donc là, celui-ci, il est fait avec les Brut Funner par contre. Le fond avec un petit peu de Wash Reden aquarellé. Et tous les cœurs sont faits avec des Jelly Rolls, soit Stardust, soit hybride d'AliExpress. Que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais je voulais faire cet effet arc-en-ciel dans le fond avec mes Jelly Roll. Il y a du Jelly Roll, voilà, Stardust pour la robe de réponse. Mais voilà, c'est un colo que j'ai vraiment bien aimé faire. Et je suis satisfaite du résultat. Par contre, c'est voilà le Posca, ou je sais plus ce que j'ai mis. Pour avoir les petits points blancs là, mais je trouve que ça pète. Le blanc, il est pas flash, il est pas, il prend la couleur de ce qu'il y a en dessous. J'aime pas, je sais pas. J'essaie avec le Uniball et tout, mais là on le voit même plus dans les cheveux. Enfin, c'est, je sais pas, je suis pas satisfaite du blanc quoi.
franchement. Mais j'aime beaucoup ce couloir. Voilà. Donc oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir quelques colos en avant-première, voir mes en cours. Voilà. Je suis beaucoup plus régulière sur Instagram. Oui, je l'aime beaucoup celui-ci. Et je vais vous montrer du coup le mystère. Donc si vous voulez pas être spoilé ou quoi que ce soit, vous pouvez quitter la vidéo. Après, je vais juste vous montrer le petit en cours que je fais, mais c'est vraiment rien de... Hein. Donc c'est pas la peine de vous spoil si c'est ça vaut pas le coup. Donc dans celui-ci, donc le grand classique tome 4 mystère, pareil, c'est un colo en commun via Facebook. On admire l'œuvre de mon fils qui a essayé. C'est un colo que je m'étais sorti pour le challenge de Julie Nueva, puis finalement il m'a plus tenté du tout. J'ai trouvé que c'était, il y avait trop de trucs à faire. Ça m'a... Non. Puis, oh, puis du coup c'est celui qui est en dessous. Même pas. Celui qui est après. Oui. Donc, j'ai fait... comment il s'appelle ce monsieur? Dans Pocahontas 2. Je ne l'ai pas noté. Donc c'est John, je sais pas quoi. C'est pas Smith, c'est l'autre. Donc en mystère arrangé, je l'ai fait au Brut Funner. Le fond, j'ai fait avec les... Crayon. J'ai réussi à faire un effet nuage avec des Crayon Shredden. Ah oui, avec les tampons. Je l'ai utilisé à sec et avec les tampons doigts. Les arbres, ils sont faits avec le brush marker Action. Ça doit être du... enfin, le paint marker Action, je pense. Sinon, c'est fait avec les Brut Funner. Voilà. Ça va, j'aime bien. Je vais peut-être vous montrer la solution que vous voyez un petit peu. Allez, là en bas. Normalement, c'était ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'en ai fait ça. Donc, je voulais commencer ce livre-là. Du coup, je m'étais inscrite voilà, pour faire un colo en commun. Ils ont choisi celui-ci. Moi, je me suis dit, tant pis. Hein. Je connais pas, il me plaisait pas plus que ça. Mais ça m'en fait un de fait. Et voilà, en ce moment, je suis en train de faire les... J'aime bien utiliser les chalk marker, ça s'appelle comme ça. Les crayons craie, là, que Action a sorti. J'aime bien les utiliser. Et du coup, bah, là, je suis en train de faire celui-ci. Mais voilà, j'ai fait celle-ci. J'aime bien. Ce rendu mat, je sais pas, j'aime bien les utiliser. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. J'ai pas encore commencé ce petit carré. J'ai voulu commencer par ça pour les tester. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ce que j'ai fait. Sinon, là, j'ai pas d'encours actuellement. J'ai pas d'encours actuellement. Je me suis sorti un truc, mais je sais pas encore si je vais l'entamer, si je vais le faire. Et j'ai hâte que le prochain challenge de Elise Colo sorte. Voilà. J'ai hâte pour me trouver des colos à faire. En fonction des thèmes et tout, donc hâte de se faire ça. Il faut que je regarde un petit peu où j'en suis dans ma summer pack. Je pense que j'ai quelques trucs que j'ai pas fait. J'ai pas le grand le bodoni méchant que j'ai pas entamé, que je voulais entamer. Je sais plus trop ce que je m'étais mis comme colo, mais il y en a certains que j'ai pas fait, je pense. Mais sinon j'ai fait la majeure partie. Donc ça nous fait combien de colos là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colos. C'est bien. Pour 2 mois. Je suis satisfaite de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre colo préféré. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que je serai en meilleure forme. Là, clairement, je suis pas au top. Hein? Mais bon, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'intro, de l'outro.
des vidéos. Voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose de sympa. Et enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du nouveau pseudo de la chaîne et enfin du compte Instagram, de tout ça, tout ça. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye! Let me back to you.